Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Je tiens à vous dire une vidéo pour nous qui est vraiment intéressante. Maman d'une pour nous bien garder pour nous capable bien comprendre tout le bagaille. Donc avant de commencer, maman d'une pour nous bailler vidéo ça en like et pas hésiter à partager de tout côté. C'est vraiment important. Là nous faire ça, nous montrer qu'il n'a pas encouragé ça qu'a fait là. Bref, on a qui dans le sujet principal vidéo. Hein? Et bien dans la vidéo, ça m'a partagé 3 WhatsApp avec nous qui a à peine sorti. Premier WhatsApp là qui c'est FM WhatsApp. Deuxième WhatsApp là qui c'est GB WhatsApp. Et puis troisième là qui c'est WhatsApp et style iPhone. WhatsApp ça vraiment intéressant et y'a un peu l'option là que vous devez connaître. Pour ça, m'a demandé de bien garder vidéo en yon face pour nous capable bien comprendre tout bagay. Parce que c'est vraiment important, guys. N'a pas joué lien WhatsApp yon acte yon dans commentaire ou bien dans description vidéo yon face pour nous capable télécharger yon. Bref, on commence avec premier WhatsApp là qui c'est FM WhatsApp. Là nous finissons WhatsApp là, premier ça nous va le faire. Parler là nous allons discussion groupe. Statut et puis appel. Nous pouvons faire apparaître par en bas là en style iOS. Pour nous faire ça, nous cliquons sur toi, tu prends ça en bas en l'air. Nous cliquons sur FM mode. Nous cliquons sur home screen. Nous cliquons sur header. Nous cliquons sur home UI style. Et puis nous cliquons sur iOS style. Nous faisons back. Automatiquement là nous voyons vin pas en bas en style iOS. Bref, deuxième option pour le montrer non. Normalement là nous avons un nouveau message. Mais nous un nouveau message affiché à droite. Ça nous capable garder hein. Au lieu de à droite, nous pouvons le faire afficher à gauche. Ok, pour nous faire ça, nous cliquons sur toi, tu prends ça en l'air. Nous cliquons sur FM mode. Nous cliquons sur home screen. Nous cliquons sur words. Nous cliquons sur home style. Et puis nous cliquons sur NL mode. Nous faisons back. Automatiquement là nous un nouveau message qui nous recevons par être à gauche. Jean nous capable garder hein. Comme ça tout nous capable faire yo afficher puis gros. OK guys, pour nous faire ça n'a retourner même côté là et puis n'a mettre sur WANH. N'a fait back. Automatiquement là nous un nouveau message yo vient afficher puis gros. Là nous pas besoin forcer yeux nous garder. Automatiquement là c'est nous tomber sur yo nous trouver yo par être gros. Waouh, c'est vraiment intéressant guys. Ok guys, troisième option vraiment important. Par exemple, nous cliquons sur un contact. Nous cliquons sur message. Nous cliquons sur icône ça. Nous cliquons sur sondage. Et bien grâce à cette option, ça nous capable de créer un sondage. Ok, pour nous faire ça, premièrement, nous cliquons là sur poser une question. Et puis nous écrit la question principale là. Par exemple, nous écrit. Et puis nous cliquons sur ajouter pour nous capable ajouter option ou dimanche réponse. Par exemple, m'a écrit ça. N'a pas ajouté un deuxième. N'a pas ajouté un troisième. Bon, nous juste ajouter trois seulement, mais nous capable ajouter quantité nous voulons. OK guys, moun sa qui n'a voué sondage dans balien, ap capable choisir n'importe dans trois ça yo. Donc là nous fin fait tout ça comme ça et puis nous cliquons par en bas là. Automatiquement la sondage là al jwenn moun nan. Le moun nan fin recevoir sondage là, la capable choisir n'importe nan yo. Si par exemple moun nan choisi bon dieu, automatiquement là la paraît comme ça. Si par exemple li choisi famille, la paraît comme ça. Comme ça tout li capable choisir tout net, ça pral dépend de li même. De même tout li capable choisir un seul. OK guys, le moun nan fin passer sondage là kounya, pour nous résultat yo, n'a pas ni cliquer là sur voir les votes. Là nous moun nan voter bon dieu, li voter famille. Les votes des amis. Waouh, c'est vraiment intéressant, guys. Et puis, grâce à cette option, ça n'a capable créer un sondage. Là, nous finissons ouvrir WhatsApp là pour nous ajouter thème là sous les. N'a pas cliqué sur droite, c'est pour ça en l'air. N'a pas cliqué sur GB Settings. N'a pas cliqué sur thème. N'a pas cliqué sur le thème. N'a pas cliqué sur download. Ça, c'est thème là, ça n'a pas cliqué sur les. Automatiquement, la thème n'a ajouté sur WhatsApp là. Wow, c'est vraiment intéressant. Si toutefois nous t'arrivons à retirer thème dans ce WhatsApp là, y'a une façon pour capable de parler de chanter auparavant. N'a pas cliqué sur toi, tu bas ça au bas en l'air. N'a pas cliqué sur GB Settings. N'a pas cliqué sur thème. Et puis n'a pas cliqué sur Reset Preferences. N'a pas cliqué sur OK. Automatiquement la WhatsApp là vient retourner chanter. Et bien là, guys, on va partager deux secrets avec nous dans WhatsApp là. Premier secret, hein, par exemple, n'a cliqué sur un contact. Normalement, nous avons envoyé un message pour nous. Si par exemple, nous avons transféré un message à Bayon, nous n'avons pas cliqué sur le message là et puis nous cliquons pas en l'air là. Par exemple, nous cliquons sur le contact ça et puis nous cliquons pas en bas là.
Normalement, nous transférons les messages dans les gens. Mais si nous ne pouvons pas regarder les messages là, nous avons un filigrane ou une notification qui paraît, qui marque transféré. Ça veut dire que le message que nous voyons dans les gens, après une question, message, l'autre monde dévoué par nous, et puis nous transférons le bali. Nous tous regardons les vidéos, on a fait expérience ça déjà. Pour que les gens voient un message pour nous, et puis nous regardons les messages là, qui marque transféré. C'est ça qui nous fait nous connecter. Le message que les gens envoient par nous, ce n'est pas lui-même qui écrit. Et puis la belle famille, nous allons montrer nous qui j'en, pour ça pas arriver nous encore. Ça veut dire que nous transférons message ba yon moun pou moun n'a pas suspect rien. Ça veut dire que pour pas ouais question message qui nous transférer ba li. OK, pour nous faire ça n'a fait back. N'a cliquer sur toi pour ça ou pas en l'air. N'a cliquer sur GB settings. N'a cliquer sur privacy and security. L'arrivé là n'a descendre. Et puis n'a activer ça qui c'est disable forwarded. N'a fait back. N'a cliquer sur contact. Si par exemple on y a moun sa voye message ça ba nous et puis nous veut se transférer message là ba yon l'autre moun. Par exemple, nous avons un message dans le monde ça, et puis nous cliquons en bas là. Bao, ça nous capable de garder là, nous avons ça passé. Wow, c'est vraiment intéressant, guys. Ça veut dire que le monde s'est connecté, c'est nous-mêmes qui écrit le message dans le monde. On passe avec la deuxième option. Nous cliquons sur toi, tu peux ça ou pas en l'air. Nous cliquons sur paramètres. Nous cliquons sur confidentialité. Nous cliquons sur commencer la vérification. Nous descendons, nous cliquons sur renforcer la sécurité de votre compte, nous cliquons sur verrouillage par empreinte digitale. Et bien, si nous activons l'option ça, grâce avec les mêmes, nous sommes capables de mettre empreinte sur WhatsApp. Non. Donc, ça veut dire que nous l'activer, personne n'est pas capable de voir WhatsApp. Non, hein. Ok, pour nous faire ça, nous mettons empreinte. Non. Automatiquement, là, empreinte l'activer. Et puis, nous mettons sur immédiatement. Si par exemple, nous faisons back, nous ouvrons WhatsApp là. Automatiquement là, pour nous venir accès avec WhatsApp là, c'est un prêt nous pour nous mettre. C'est vraiment intéressant, guys. WhatsApp nous vraiment protégé. Ça veut dire personne n'a pas accès parce que c'est un prêt là, il y a demandé mon ça. Je vais vous montrer qui est capable de style WhatsApp iPhone sur Android. Premièrement, je vais vous WhatsApp qui est en parce que c'est sous même SIM ça qui va faire l'autre WhatsApp là. Nous sommes capables de suivre même étape ça auto si c'est sous même SIM là. Nous allons cliquer sur WhatsApp pour vous parler. Nous allons cliquer sur paramètres. Nous allons cliquer sur discussion. Et puis, on a cliqué sur sauvegarde discussion. On a fait back, qu'on a nous pas désinstaller WhatsApp là. Bref, on a joué le lien WhatsApp ça dans le commentaire ou dis-moi dans la description vidéo. Là, nous finissons avec la balle d'autorisation. On a cliqué par en bas sur cette flèche là. On a cliqué sur accepter et continuer. On a pas entré le numéro de téléphone nous là. Là nous arrivons là n'a pas entré non nous. N'a mettez photo profil nous et puis n'a fait suivant. N'a cliqué sur OK compris. La page comme ça et puis n'a fait back. N'a cliqué sur clair. N'a cliqué sur OK. N'a cliqué par en bas sur comme ça. Waouh. Et puis là nous avons style WhatsApp iPhone dans son Android. Par en bas là nous avons option ça apparaître qui c'est statut, appel, communauté, chat, paramètres. Wow guys, WhatsApp ça vraiment intéressant et vraiment belle. Les gars, pile belle option là-dedans qui a vraiment intéressé nous. Je suis capable de garder ce style iPhone là même. Il vraiment aimé façon interface en fait là. Donc là guys, qui un bagage qui est vraiment important pour nous faire. Nous prenons le paramètre téléphone nous. Hein? Nous cliquons sur application. Et puis nous cliquons sur WhatsApp là. N'a cliqué sur autorisation. Donc là, nous prenons l'autorisation. Là, nous finissons l'autorisation. On a fait back. Guys, WhatsApp ça qui a un pile belle option la donne, mais m'a montré nous dans une prochaine vidéo. Wow, et bien déjà, bye vidéo ça un like, partagez le tout côté, abonnez avec channel là. Donc c'est vraiment important, guys, faut nous encourager ça qu'a fait là. Faut nous toujours like, commenter et puis partager. C'est face ça nous capable encourager ça qu'a fait là. C'est vraiment important. Et bien, m'attend nous à la prochaine dans l'autre plus belle vidéo toujours. Ciao.